allemands ont en effet pris une sérieuse option sur la qualification. Tout d'abord, Francfort en blanc qui ouvre ici la marque par son arrière-gauche Nartweit contre Brno. 1-0, tout n'a pourtant pas été facile pour les joueurs allemands. Égalisation de Brno par Stefan Horny. Brno est le dernier représentant tchécoslovaque dans ces coupes européennes. Un but partout à la mi-temps, non, car à la 44e minute, le numéro 6, Laurent, redonne l'avantage à Francfort sur pénalty. 2-1. Dès la reprise, les Blancs passent la vitesse supérieure et Nickel marque un troisième but. C'est propre, c'est Nickel. Après les Muller, voilà les Nickel. Il y en a un à Mönchengladbach, Saint-Etienne en sait quelque chose. Il y en a donc un autre à Francfort. Il reste tout de même quelques Muller, Dieter de Cologne et Hansi que vous verrez dans un instant avec Stuttgart. Restons à Francfort avec ce corner tiré par le capitaine Jürgen Grabowski, but de Karger, l'ailier gauche de la formation allemande. 4 ballons dans les filets du gardien de but Horn. Il n'y aura vraisemblablement plus d'équipe tchécoslovaque au prochain tour.